Et salut tout le monde, oui vous l'attendiez l'épisode numéro 12, ou enfin je sais pas si vous l'attendiez du coup. On se retrouve du coup pour cet épisode 12 de Super Mario 64. Le Let's Play touche bientôt à sa fin, on a encore 54 étoiles quand même, c'est bientôt la fin, il nous faut vraiment les 70 pour finir. On va essayer quand même de les avoir. Du coup on va faire un petit tour, on a fait l'horloge tic-tac, donc c'était vraiment le bordel, on a eu 4 étoiles, c'était sympathique dans ce niveau, on a eu des petites étoiles par-ci par-là. Il y en a un qu'on n'a pas fait effectivement, donc on va aller voir. C'est celui-ci je crois. Non, on l'a déjà fait. On pourra y retourner mais on verra bien. Du coup on va faire... Ouais, du coup j'aime bien dire du coup, même si ouais, je me répète, en fait basiquement du coup en fait c'est à dire que je vous avais montré qu'ici c'est là qu'on voyait le caméraman, mais on n'avait pas fait ce niveau là, donc c'est comme le niveau de la neige mais un petit peu plus amélioré on va dire. Alors là, vous voyez, il y a un. Voilà. Ah, bah, du coup, je me suis fait avoir. C'est pas grave. Là, je sais qu'il y avait un espèce de. Un petit labyrinthe ou je sais pas quoi. Je m'en rappelle plus. Et voilà. Ok, une étoile de plus. Bon, c'était un petit truc subtil, on va dire, mais rien de plus. Non, ça nous fait des étoiles gratuites. Moi, j'aime bien. Hein. Les étoiles gratuites. Je ne crache pas dessus. Hein. Je crache uniquement sur mon petit frère. Non, je sais quoi, c'est une blague. C'est pas bien craché. Du coup, on a fait dans le glaçon. Hein, un petit garçon, s'il vous plaît. Donc, l'étoile, elle est là-haut. Voilà, c'est celle-là qu'on veut. Après je sais pas s'il y en a d'autres sur le passage. Donc il y a des petits trucs comme ça. Alors faut savoir que l'eau elle est glacée. Ah oui, il y a bonhomme, il y a monsieur. Oui, 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 toi. Coucou toi. Aïe. Non mais je déconne. Alors c'est un petit peu comme le niveau où dans la lave on avait poussé les petits bonhommes là. Sauf que lui bah il nous pousse, il en a rien à foutre. Wouah. Donc voilà. Oui, qu'est-ce que j'ai touché? J'ai touché de l'eau, tu vas me dire, mais mon dieu, t'as touché de l'eau, comment ça se fait que ça t'a fait des dégâts? Bah parce que tout simplement, non! Wow! Bah dis donc. Bah dis donc. Tout simplement parce que l'eau est glacée, donc du coup forcément que bah ça brûle en fait, limite. Ouais, l'eau, le froid, ça, quand c'est vraiment froid, ça brûle. Ça prend peut-être quelque chose, mais ouais. Alors, paf. Ah, ça marche pas. Ça marche pas! Mais lâche-moi! Est-ce que je peux bouger? Oh, il m'énerve. On va choper la pièce. Je veux bien qu'il ait des difficultés, mais là je peux même pas bouger. À partir du moment où il m'a touché, ça y est. Bonjour. Juste la vie. Non. Mais pourquoi je peux pas le toucher? Bon, ok. Tu veux la guerre? Tu veux la guerre. Ok. Tu veux la guerre. Tiens. Mais il va pas tomber là. Tu peux pas le faire tomber dans ce truc là. Le mec il va être dans le décor. Hop. Petite étoile, c'est sympa. Merci. Merci Francis. Du coup il y a une pièce rouge en bas, mais je pense que. Ouais, il faut une carapace, je crois. Je crois qu'il faut une carapace. Ok, donc une étoile supplémentaire. C'est cool, on continue, il est bien ce niveau. Ouais, il est facile, ça va. Enfin, facile. Il y avait des trucs assez galères, je me souviens. Mais c'est niveau 10, c'est ça qu'on a pas fait. Bon, du coup, on va la faire, cette étoile numéro 1, oui ou non? Je sais plus. Par où il fallait passer? Il y a un canon, oui. C'est vrai qu'on peut aller dans le canon aussi, mais on n'a pas le... La bombe rose. Où est la bombe rose? Je ne sais plus. Donc, ok... Ah oui, il y a les petits trucs ici qui vont nous aider à sauter par-dessus. Ici, il y a les pièces rouges, et ici, il y a... Oh. Ah oui, je me souviens.
Et il y en a un gros après. Hop là. Et je pense que c'est ici qu'on peut grimper. Ouais, c'est ça. Ok. Si on monte. Ah oui, il y a le pingouin. Bonjour. Hé, hey, qui va là? Qui me grimpe dessus? Une mouche? Un moustique? Un cafard? T'as intérêt à dégager. Sinon, je te souffle dessus. Effectivement, il souffle. Du coup, on se fait envoler. Du coup, comment fait-on pour passer? Je vais vous laisser un petit quart d'heure pour réfléchir. Voilà, le quart d'heure est terminé. Eh! Il m'a feinté. Mais bon, on est passé, donc voilà, faut juste passer derrière le pingouin pour pas se faire souffler dessus, parce que sinon, bah, vu qu'on est léger, on se fait envoler très très loin. Et hop là! Une petite étoile de plus, c'est gratuit. Je pense qu'après, c'est les pièces rouges. Enfin, moi, j'associe toujours le numéro 4 aux pièces rouges, mais c'est pas tout le temps le cas dans tous les niveaux. Mais c'était ça pour le premier. On continue! Alors. Vrille depuis le lac. Vrille. Donc les vrilles, c'est quand on tourne sur soi-même. Hein, donc c'est des trucs qui nous font voler un petit peu. Donc ces petits trucs-là nous font vriller. Sur le lac. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une étoile là-haut? Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Alors, laissez-moi réfléchir. C'est quoi caméra avec R? Stop. Ça veut dire quoi? Genre, ah d'accord, la caméra en fait elle bouge plus. Genre, j'appuie, elle bouge plus. Excellent! Ah bah c'est cool. Ok. Du coup ouais, je pense que c'est ce truc là avec faut aller. Ouais. Ok bah c'était ça. D'accord. Ok, j'étais un peu perdu mais why not. Ok, 58. 58, 58. On va continuer. Carapace pour pièces rouges. Donc, il faut bien une carapace pour les pièces rouges. Du coup, laissez-moi réfléchir. Donc les pièces rouges, il nous faut une carapace, Vous savez qu'on peut l'avoir cette carapace. Donc c'est forcément un truc caché. Salut toi, ça va? Bon, au moins on prend celle qu'on peut prendre. Mais où c'est qu'elle pourrait être cette carapace? Peut-être au début en fait, parce que là déjà on peut monter la carapace. On a de la glace. Genre un truc au début ou hop là. Là on a le truc avec les... Ah, ah, ah. Est-ce que je peux vous monter dessus? Oui. Et... Wow. Ben non. Y'a pas genre un truc là? Si y'a eux, c'est qu'il y a forcément quelque chose, non? Non? Y'a rien du tout? Y'a pas... Ils sont pas là pour que le décor quand même, non? Hop. Et ben, j'arrive même pas. Bah non. Bah non. Ok. Donc je cherche une carapace.
Là on a du vent. On s'en fiche un petit peu. Une carapace. Ah peut-être de l'autre côté là. J'essaye de grimper. Ah bah non. C'est beaucoup trop haut. Donc on peut faire le tour. On refait tout ce qu'on avait fait. Mais cette fois-ci on va aller. Hop. Voilà, on va aller de l'autre côté. Ah mais oui, je suis bête. Elle est là la carapace. Je suis débile. Ok. Du 2. Allez. Galop. Ah oui, donc oui, il nous les donne les pièces rouges, d'accord. Il nous les donne. Non mais t'es obligé de gueuler. Bon, qui gueule à chaque fois. Et la dernière, elle est là. Ok, bah c'était super simple en fait, fallait juste savoir où fallait aller. Non d'accord, non mais oui, et si vous voulez. Il n'y a pas de sous-sail. Et hop là, 59. Du coup ouais, c'est tout à fait faisable de faire plus de 5 étoiles par épisode. Mais du coup pour 20 minutes ça fait, je sais pas combien ça fait. Ah, ça fait moins de 5 minutes, mais 4 minutes oui. Dans l'igloo. L'igloo, l'igloo, l'igloo. Ça me dit un truc, mais Si, c'est bon, ça me revient. Pff. Donc faut... En fait, c'est limite si ça suit. Parce que faut aller... Au début, ils nous disent qu'il faut prendre le petit tremplin pour aller avoir l'étoile. Puis ensuite, faut reprendre le tremplin pour avoir la carapace. Et là, avec la... Oh, bah, là. Avec la carapace, il nous faut... Boing. C'est trop mignon. Il nous faut aller à un certain endroit pour aller voir l'igloo. En fait, Mario il fait toujours tout ce que je veux quand il faut pas, c'est un truc de fou. Et hop, la caméra qui sort. Le mec a rien compris. Et ici, parce qu'on peut y aller que avec une carapace. Hop, hop. Hop. Voilà, il faut se cogner pour perdre la carapace. Ici. Hop. Comment je... Voilà, je m'accroupis comme ça. Mais laisse-moi rentrer. Mais... Laisse-moi rentrer. Je veux rentrer. C'est bon, on est rentré. Et donc, dans un tout petit igloo, on a... ça. Donc c'est disproportionné, mais c'est comme ça. Ils ont eu du mal avec les 64, hein, à faire toujours des tout petits trucs, et quand tu rentres à l'intérieur, c'est immense. Ah, c'est là qu'on a la bombe. La bombe. Bonjour. Ah. Wow, c'est subtil, dis donc. C'est très subtil. Ok, donc tu m'as ouvert le canon, mais il n'y a pas eu d'animation. Des pièces. Ah, mais on peut passer avec le... peut-être que ça pourra nous aider. Donc j'ai vu le... Oh. On peut passer là. Donc c'est un petit labyrinthe, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien le concept. Même si je l'avais déjà fait, hein, mais... D'accord. On peut pas passer. Et la caméra qui... Ok. Donc là, faut certainement faire... Ah, non, on peut faire le tour, comme ça. Et ici, je suppose que je peux passer à travers... Ça, hop, à travers tout, en fait. Du coup, elle est où l'étoile? Elle est là. Donc je pense qu'on est obligé d'avoir le... Il y a des inter... enfin, il y a des casquettes qui sont obligatoires pour avoir certains types d'étoiles, donc c'est bien, en fait c'est obligé au bout d'un moment d'avoir la casquette de métal, la casquette des airs et la casquette d'invisibilité. Ok, ça nous fait 60. Je pense que bah, il y en a plus du coup. 3, 6, non il a... Si on fait par rapport au premier, on en avait combien? 6, ouais c'est 6 le maximum, parce que je confonds avec 7 sur la DS. Mais du coup, ouais on les a tout tués, ouais. ouais. Du coup, bah, déjà 60 étoiles, c'est... Waouh, c'est... Ça va vite, hein. Et je pense qu'on va faire la première de... On va commencer le tout dernier niveau. Parce que... Est-ce qu'on les a tous, du coup?
Donc 1, 2, 3. Bon, le droit, on va essayer de faire un truc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et nous manque bien le 15e. Donc il y a 15 niveaux avec je sais plus combien d'étoiles secrètes. 30. En fait, il y en a 6. Mais en fait, 7 par monde. Parce que il y a les 100 pièces. Mais du coup, c'est un tout petit peu plus long d'avoir les 100 pièces que des niveaux classiques. Alors je sais qu'on pouvait faire ça pour y aller, mais bon. Attention de pas se faire cogner. Et ici, on a le tout dernier niveau. Croisière sur l'arc-en-ciel. Ok, on est parti pour le tapis volant. C'est parti. Donc là, on a un tapis volant qui va suivre du coup l'arc-en-ciel. Et du coup, c'est un petit parcours assez sympathique. Qui, ouais, qui est sympathique, c'est tout. Et on essaiera d'avoir au moins la première. Et après, on enchaînera. Je pense pas. Alors, au prochain épisode, j'arriverai à avoir. Ah, bah d'accord. Ok, 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 ok. C'est bon. Je pense pas que j'arriverai à avoir 9 étoiles, ça me paraît beaucoup. Donc je pense que dans 2 épisodes, ça sera bon. Et là, il s'arrête. Ah oui, après, il tombe. Il tombe, d'accord. Du coup. Hop. Donc, je sais qu'il y a des pièces rouges par là, mais on va continuer. On va suivre l'arc-en-ciel. On va faire ce que le jeu nous dit de faire. Du coup, ouais, je continuerai de chercher les petites étoiles faciles. Et après, on essaiera de faire les niveaux les plus durs, donc dont celui-là. C'est le niveau le plus dur, hein, parce que c'est assez galère. Dont l'horloge aussi, l'horloge est assez difficile. Même si les musiques sont toujours les mêmes pour certains types de stages, hein, même si c'est pas un stage, enfin c'est pas une musique par stage, c'est quand même assez divertissant. Après, c'est vrai que j'aurais voulu avoir une autre musique pour un truc d'arc-en-ciel, un petit peu à la Mario Kart, un truc comme ça. Donc on est souvent un petit peu déçu, mais finalement, on reste sur du bon gameplay, donc ça va. Ah oui, non, si je reste pas assez longtemps sur le tapis volant, il s'en va. Et là, je sais plus lequel c'est. Moi, je prends la gauche parce que je suis gaucher. Mais ah oui, on a une. Ok. C'est des flammes bleues, c'est bizarre. Voilà, donc si vous sortez, vous pouvez sortir du tapis, hein, mais au bout d'un moment, le tapis volant, si vous restez pas dessus, bah il s'envole. Et donc pour ceux qui voulaient savoir, sur Super Smash Bros Melee, donc la petite, le petit stage avec tout un petit truc qui s'enchaîne, tout ça, je sais pas si vous l'avez reconnu avec le bateau volant et tout ça, la référence elle est là, hein, c'est de Super Mario 64, hein, pour ceux qui voulaient savoir. Le bateau volant c'est celui-là, si vous le reconnaissez, si vous dites un truc. Mais voilà. Du coup on va se mettre de côté comme ça. Ouais, donc il y a plein d'étoiles. Hop. Oh là 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 là, c'était... c'était Justin Mike. Je vois rien du tout. Je vois rien. J'ai dit je vois. Ah d'accord. Non mais c'était calculé, hein, je... Voilà. J'ai de la chance. C'est cool. Et voilà, on a le 1. Ok, est-ce que je peux l'avoir? Merci. Ah oui, ça rentre après dans un truc, enfin c'est très... Ce niveau est assez subtil, hein. C'est quelque chose d'assez... assez bizarre. Mais donc voilà, du coup on s'arrêtera pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. On essaiera du coup sur 2 épisodes d'avoir les 9 étoiles qui nous restent, donc peut-être 4 et 5, 5 et 4, on essaiera de faire un truc comme ça. Et après du coup on aura l'épisode final où on pourra du coup enfin finir ce let's play. Du coup je vous dis ciao tout le monde et portez-vous bien, à la prochaine pour la suite des épisodes de Super Mario 64. Ciao tout le monde!